Les jeux de la Loterie Nationale, c'est la chance de voir votre rêve se réaliser. Eh bien, si je gagne le loto, je donne au refuge pour les animaux. Je partage avec tous ceux qui n'ont pas ma chance. J'emmène toute ma famille en croisière. Je fais construire une maison en bois en Colombie-Britannique. Mais saviez-vous qu'en jouant, vous soutenez aussi le théâtre Perruchet et ses spectacles de marionnettes à fil? Bonjour Dimitri. Bonjour Bastien. Tu vas bien? Oui, très bien. Merci de m'accueillir ici à ton théâtre Perruchet. Et je vois qu'en fait, tu n'es pas tout seul, tu es en bonne compagnie. Oui, on a une curiosité exceptionnelle de notre théâtre. Mmh. C'est un musée qui a été fondé en 1938. On a la chance d'avoir des milliers de marionnettes présentes, pas toutes exposées, mais en tout cas, on a un petit exemple, enfin, une sorte de panel de beaucoup de techniques, de traditions de différents pays. Le nom du théâtre, c'est le théâtre Perruchet. Mmh. Mais pourquoi ce nom? Le fondateur, Carlos Péder, avait trois filles. Et le papa avait l'habitude de jouer aux marionnettes pour ses enfants. Et la petite ne savait pas très bien parler, comme tous les enfants. Hein, ils essayent de trouver les sons. Et elle disait le théâtre de Perruchy. Et donc le Perruchy est devenu Perruchet. Et le papa a dit, mais c'est le plus beau nom qu'on peut donner pour un théâtre, le théâtre de mon père chéri. Ça vient vraiment d'une anecdote, finalement. Une anecdote qui est devenue une légende et qui marque l'histoire de notre théâtre, qui est vraiment un théâtre pour enfants. Et je tiens à remercier bien sûr la Loterie Nationale qui nous soutient déjà depuis quelques années. La Loterie Nationale nous aide à pouvoir quand même inviter des marionnettistes ou à ce que notre activité puisse continuer. Dansons, aujourd'hui est un jour de fête dans la belle montagne de Provence. Dimitri, en fait, moi j'ai vu ici ton spectacle, mais je n'ai vu que le bas. Oui. Mais si on regarde le dessus, je suppose que c'est quand même assez compliqué comme technique. Oui, parfois ça peut être compliqué. Bon, disons que les gens ont peur, si c'est des fils, c'est-à-dire qu'on a toujours la peur qu'un fil se casse ou que ça s'en mêle. Donc l'art de la marionnette à fil, c'est de pouvoir jouer avec des personnages sans que les fils s'en mêlent ou se cassent. Ça paraît simple, alors c'est vrai qu'on peut... Rien n'est fait au hasard. On doit quand même penser à ce qu'on fait. Et donc Dimitri, tu me disais que la cible était plutôt pour les enfants. Oui, ben c'est, je pense que c'est le plus beau public. Je parle toujours aux enfants comme les futurs spectateurs des théâtres et des opéras et des concerts. C'est leurs premières expériences souvent pour eux au théâtre. Ils le font souvent chez nous. Et je crois que ça marque beaucoup d'enfants, des générations, des générations. J'ai des grands-parents qui sont devenus arrière-grands-parents et arrière-arrière-grands-parents qui sont venus dans les années 30 voir des spectacles du Perruchet et qui reviennent avec leurs petits-enfants. Donc il y a quand même une demande de cette... De ce merveilleux. Mm-hmm. Et je crois que tant que les gens souhaitent du merveilleux, il y aura de la marionnette. C'est une belle conclusion. Oui, voilà.